Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Luigi's Mansion 3. Bonjour. Voilà, donc on va découvrir le jeu. Alors, normalement il y a de la coop, mais apparemment... On va pas avoir le temps. Voilà, on va pas avoir le temps parce que de ce que j'ai compris, il faut jouer au moins une heure et demie pour avoir... Pour avoir le Gluigi, il s'appelle, pour pouvoir jouer à deux. Mais c'est pas grave, on va découvrir ça comme ça. Le Gluigi ? Ouais, Gluigi. Ça sort d'où ? Bah, c'est gluant et Luigi, quoi, en gros. Oui, d'accord. On va voir le scénario. Sûrement très étoffé, encore une fois. Il doit tenir sur 25 pages encore. Toi, c'est un peu un monsieur fourre-tout. Oui, il a pas d'oreille. Je suis même pas sûr que ce soit un chien. Je peux pas s'en empêcher, hein. Tu vois, les Toads, à chaque fois, c'est eux qui... C'est les esclaves, en fait, hein. Ouais. Avec le sourire. Il y en a un qui fait taxi, l'autre qui porte le bagage. Oh bah, l'histoire de base, tu sais, c'est pas mal, hein. Luigi, il est fantôme. Ah ouais. C'est Mario qui s'est fait choper. Ah bon? Ouais. Mais le tout premier, il se finissait super vite, par contre. Je pense en 5 heures, tu l'avais fini le premier. La vache. Ouais. Mais il est ressorti sur 3DS. Hein. Ils avaient sorti le 2, puis après ils ont ressorti le 1. La tronche. Hmm. On a pas une petite bouteille d'eau dans le coin là? Non. Bon. Alors, on va aller voir la réceptionniste, je pense qu'il faut aller là-bas. Il avance pas vite, hein. Oh la gueule. Ah, c'est un masque. Thank you. Quand tu vois ces gens-là, tu te dis ça sent un peu la merde quand même. Oui, ils sont rose fluo. Et elles glissent sur le sol. Il doit être botoxé parce qu'il y a les lèvres qui bougent à peine. Ouais. Let's go.
Bon. Alors, le scénario hein, se mettre en place petit à petit, mais ça risque d'aller vite. Hein. On va vite comprendre ce qui se passe. Hein. De toute façon, on joue pas à un jeu Mario ou Luigi ou quoi pour son scénario. Hein. Avec la glisse. Tiens, je te laisse juste prendre. Je vais aller chercher un truc à boire. Parce que ça me pique la gorge là. En fait, les Todd, ils ont tous le même nom. Bah ouais. Ils s'appellent tous Todd. Todd rouge, Todd jaune, Todd bleu. Nous avons tout fait pour le rendre mémorable. Ah ah ah. Ça augure bien. Bien des choses. Je viens de tenter une manœuvre. De passer par-dessus le canapé avec ma souplesse là. Ah. Ah, dis, excusez-moi, mais. Arrête de faire. Ah, bah, c'est... Heureusement que c'est pas toi qui fais des vidéos parce que tu passerais une demi-heure à ça. Rien. Bah oui, mais avant, se fait des trucs parce que bon. Ok. Ça promet ce machin? Non, toujours pas. C'est bien, c'est qu'il y a un vrai moteur physique au moins dans ce jeu. Quand tu touches le truc, ça bouge quoi. Pourquoi des étoiles par là? Non, je peux pas l'inverser. Ben sinon, fais peut-être pas le tour de la chambre pendant 10 ans, sors. Oh. Si, c'est, tu vois, je peux renverser le truc. Mais X. Effectivement, mémorable. T'as des coups à crever, oui. Pas les ouvrir les cadeaux, c'est nul. Voilà. Non, tu vas retourner sur lui. Ah ouais. Bon allez, sors de cette chambre. Ouais. C'est pas la sortie, mais c'est pas grave. Je visite. Alors, je te rappelle juste que là, tu joues pas pour toi, en fait. Ouais, on sait. Il y a une vidéo quand même. Mais ça se trouve, il y a des choses à faire ici. Non. Toi, je peux pas. Bah, il faut peut-être dormir. Que c'était ça, il fallait dormir. Jamais sans la lampe. On ne sait jamais. Il dort habillé avec ses godasses, lui. Tout va bien. Ils sont encore plus vite que toi. On dirait moi. Tu
Peach va disparaître. Bah, il gueule fort, hein, parce qu'elle était pas juste à côté. Elle était trois champs plus loin. Hello. Hello. Il est fou ça, ouais. Bah oui. Comment ça se fait que c'est lui qui chasse ses fantômes du coup? Ah, parce qu'il a pas le choix. Ah. Oh, une copine à toi. Ouais. Elles font rien les gargouilles, c'est étonnant. Elle est où Peach. Ouais. Bah, c'est la dernière. À droite, c'était les Toads. Elle est là, là. Il n'y a pas sa valise devant. C'est bizarre, il y a celle de Mario. Spring. Ça va te sauter la gueule, tu vois. C'est con parce que des fois il y a des X mais... Ouais, ça... tu peux pas aller... Ça disparaît trop vite. Bon. Ouais, bah... par terre il y a des trucs qui sont... tombés. Ah oui, à ce point-là quand même. Elle était hier, elle fume encore. Bon bah, elle est pas là-dedans en tout cas. Il y avait une tête de mort sur la... à droite. Sympa la déco. Dans la chambre de Mario. Hello. En gros, c'est les Toads. Ça ne veut pas arriver. Du coup, on va aller voir. Je serais pas à l'aise non plus avec une gargouille comme ça dans le couloir. Non. Mais il se fait plaisir, Mario. Pizza, tout va bien. Ouais, ouais. Les ballons ils se sont envolés. Je sais pas ce qu'il y a sur la table de l'autre côté là, mais ça fume. Bon. Il y a forcément une merde cachée quelque part. Ben voilà. Ah. Il est
bientôt arriver. Hein. Il faut prendre l'ascenseur. Il avance quand même pas vite. Hein. L'ascenseur, là, il avait le temps de pas partir. Très chelou cet hôtel quand même, hein. Ocean, Panan Kroon, Mudstone, Hux, Sa, Tumum, Breda, Set, Wan, Ursa, Shaw, Luigi. C'est vrai. C'était dans le 1, ça? Je m'en aurais pu si c'est le 1 ou le 2. Trop vite. T'avais déjà son chien fantôme de l'un? Non. Ou alors je m'en rappelle plus, mais je ne crois pas. Non mais là le choix il est fait. Et voilà. Bon, bah, le scénario il est posé. Oui, c'est la même que le 1 et le 2, quoi. Mario et compagnie se sont fait enlever. Luigi à la rescousse. Voilà, hein. D'habitude on prend Mario, on dit la princesse elle s'est fait enlever, faut que Mario la sauve. Là on s'est dit, bon, on va utiliser Luigi comme perso principal, qu'est-ce qu'on fait? Bah, Mario s'est fait enlever. Voilà. Paye pas de scénariste hein, chez Nintendo, ça coûte trop cher. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a un gros lézard. Après, le jeu, là, l'hôtel, en gros, il y a 16 étages. Il faudra monter les 16 étages, évidemment. Et normalement, il y a un boss à chaque étage. On peut pas récupérer ce qui tourne, là ? Qu'est-ce que c'est ? Pas, il y a des moments où je dis rien, mais c'est parce que j'ai des foutues brûlures d'estomac là. Donc je. Quand ça me pique vraiment, je prends mon souffle deux secondes. C'est pas de ma faute, hein. Ça me pique la gorge à moitié là. Alors plutôt que de m'étouffer en plein milieu de ma phrase. Ça peut dans tous les sens, la voiture. Il y avait un machin vert.
Il y a un truc dedans. Ah, c'est peut-être le bonhomme. Non. Ouais. Fantôme ou pas fantôme, un chien, ça reste un chien. Hein. Ah, on a un aspirateur. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Oh yeah. Donc tu le retrouves par hasard à la place du moteur d'une voiture. Et sinon, il n'y a pas de signaliste. Ça va tout de suite mieux. Voilà. Il me semble que le dernier truc là, on pouvait pas le faire avant. Dans le premier, je crois pas qu'on puisse faire un saut comme ça. C'est qu'on peut aussi souffler du coup. Oh, parce qu'il tira, ouais. Il est parti en boule de poil. T'as vu la touffe de poil qui a volé? La blague. Hop. Après, dans le principe, ça reste ce qu'on connaissait dans le précédent. Il y a un truc avec le mur. Là, si tu as fait les précédents, normalement... Les pauvres souris, hein, elles t'ont rien fait. Ouf. La blague. Je profite parce que c'est le seul endroit dans lequel je ferais ça à des animaux, tu vois. C'est dans les jeux. Dans la vraie vie. Le plop. En plus, t'as vu, elle s'accroche. Rien que de poser un piège à souris, ça me prendrait le cœur. Essaye de s'accrocher au sol et... Bah non. On a tout pété. Donne-moi l'argent, l'argent. Donc t'as une pile de billets sur une étagère. Bah oui. Dans un garage.
Juste devant la grande porte. Ouais. Wow. Hein? Pourquoi pas? Réfléchissons deux secondes. Les valises? Non, il y a une porte là. Tout simplement. Ouais. Je sais pas par quel côté aller. Au plafond. Jackpot, au casino. Ouais. C'est quoi ce machin? T'es à l'accueil? On peut pas y aller encore. J'ai l'impression. Ah. Particulier comme hôtel quand même, hein? Ouais, c'est très bizarre. Du fric. Ils ont plein de choses dans les poubelles. Hein. Ouais. Bizarre, moi je vis pas au même endroit. C'est ce que j'allais dire. C'est nous dans nos poubelles, je suis pas sûr qu'il y ait autant. Autant de trésors. Ouais. Tu peux pas le flasher ce machin là? C'est au casino. Je fais le ménage en même temps. Le Jizzy Boer. Souffle-le. Tu peux pas? J'imagine que le Jedi saute pas non plus. Non. Ah merde, je suis pas bloqué à cause de ça quand même. C'est pas possible. Mmh. On va pas être bloqué à cause de ce truc. Bien de me donner des trucs, mais je voudrais juste que tu dégages du chemin. Ah. Le machin que tu pouvais pas faire avant. Ah, ça. Ouais, bah, j'y pense pas, alors, forcément. Pas bête. Hmm. T'es bien, parce que comme ça... Oh, regarde en bas. Quoi? Il y avait un machin, là. Ah oui, je peux pas y aller dans la pièce là. Ah ouais. Exact. Je
pas comment t'es censé y accéder. Mais après, on pourra peut-être y retourner. Ouais. Elle est pas du tout imbue d'elle-même, elle regarde, elle a une grande statue d'elle sur le mur. Bah ouais. On ne s'aime pas cette femme. Un humour particulier hein, dans cet hôtel hein. Ouais. Ils te foutent des trucs qui peuvent te faire crever là. Après, personnellement, j'aurais pas fouillé dans les poubelles. Donc, peut-être un peu dissuasif aussi. Mais quand tu vois tous les tiroirs là. Purière, lui, il ramasse tout ce qu'il y a sur les. Sur les étagères, sur. Il récupère tout. Voilà, quand même, on pouvait pas se quitter sans avoir croisé des fantômes. Je me rappelle pas si avant on pouvait les taper au sol. Peut-être que si, mais ça fait longtemps, je me souviens plus. Il a appelé le renfort. Hein. Pouvoir sauter hein. Non. Non, tu peux pas sauter. Et le nouveau truc là. Ah, tu peux faire ça. Mais tu peux pas sauter. Mais sinon tu peux pas sauter. Jamais. Alors, en fait, le seul esclave qui saute, c'est Mario. Non, en vrai, Luigi, même dans les jeux de plateforme, il saute plus haut que Mario. Mais dans les Luigi's Mansion, non, il peut pas sauter. Il récupère tout les lumières. Hein. Vous voulez pas, les gars? Parce qu'il y a une boutique, normalement. Avec le bonhomme, le professeur, je me rappelle plus comment il s'appelle. Qui a fait l'aspirateur et tout ça là. Donc du coup ok. Excellent. Ouais, un citrouille. Ce qui est bien, c'est que dans les Luigi's Mansion, même dans le premier à l'époque, ils poussent les détails sur plein de trucs en fait. T'as plein de choses dans les décors qui bougent et tout. Tu vas aux fenêtres, il se passe des choses. Ouais.
C'est vivant, quoi. Ouais, il y a toujours des trucs qui se passent. Il est court vite, hein, l'escalier, par contre, hein. Ah, copine. Petit. Mmh. Ouais. J'aurais bien aspiré. C'est par là, mais il y avait la porte là-bas. On regarde quand même un peu ce qui se passe autour. Rien que ça, tu vois, la serrure qui mange ta clé. Oh bah non. C'est quoi ça? Bah, c'est lui le professeur. Ah! La boutique elle est fermée alors. Non, on va le sauver. Je pense qu'il va falloir aller sauver petit à petit. Il est bien ce chien lézard. Oui. Il est bien pratique. Après, ils ont vraiment gardé les principes. Oh, un plan. Le principe des premiers, quoi. Qu'est-ce que t'as regardé les poubelles, toi? Bah, je fouille, je récupère, moi, les trucs. De toute façon, après. Je l'ai lu déjà un petit peu partout, et puis si ça fait comme le 2, il y aura des allers-retours à faire. Hein. Il y a des endroits où tu pourras pas faire les choses du premier coup, et du coup il faudra revenir parce que. Tu piques les fringues. Des endroits, faudra revenir parce que tu pourras pas tout débloquer ou tout choper du premier coup. Il y a une tête posée sur le ouais, devant le miroir. Il y a un peu de quand même, le miroir. Il y a un truc. En plus, il y a quand même une tête posée sur la table devant le miroir. Ouais. Tout va bien. T'es recherché. Moi je suis là, les gars. Qu'est-ce que vous me cherchez? Il y avait un sac de toile là, comme celui qui vient explorer. C'est de capture.
Allez. Défoncez tout le monde en même temps. Il est fier mais pas longtemps quand même. On va voir par là. Ouvrir la porte. Oh là-dedans, il va y avoir du monde de aussi. Tu vas l'attraper ce drap-là ? Il y a un coffre là-bas. Je l'ai même pas vu. Et tu peux pas le souffler? De quoi? Le drap. Non, je pense que quand tu peux pas les choper, tu peux pas la... Oui, c'est bizarre. Ah, c'est un gros fantôme. T'as vu? Ouais. Ah, c'est peut-être pour ça, l'autre aussi. Ah, attends. Là-dessus. Oui. Point. Il y a une pièce derrière. Ouais. Bon, du coup, c'est-à-dire qu'avec ça, là... Ah, le mur, là-bas, au fond. Il y a un trou. Avec ça, tu vas pouvoir faire sur le professeur. Ouais. C'est pas un trou, peut-être. Aussi, c'est un trou. Sur tournesol. Oh, une licorne. Aveugle, visiblement. Non. C'est qui le bouteille qui arrive? Catastrophe. Catastrophe. Ouais. Comme à chaque fois qu'on se rencontre, en fait. Et tu ne peux pas les abandonner ici. Oh mon Dieu. Toujours à faire des caprices. Oh bah oui. Trop de cul, je te jure. Mmh.
Bon, voilà l'explication de l'aspirateur. Regarde son dégaine. On dirait une taupe. Bon, on va s'arrêter là. Du coup, quand même, pour la il vidéo. Va pas vite non plus. Parce que ça fait 3 quarts d'heure quand même. Ah, quand même. Ben oui. Donc, enfin, on va s'arrêter. Voilà, quand j'aurai retrouvé la télécommande de boîtier. Donc voilà, on a fait un petit 3 quarts d'heure, je pense que pour découvrir à quoi ça ressemble, pour ceux qui éventuellement n'auraient jamais vu les 2 premiers, bah ça donne un bon aperçu, et puis bah nous on continuera de notre côté. Ouais. Salut. Salut.